m'appelle Abbé Bazara, j'ai arrivé en France en 2018, 20 mars, 28. Mais j'ai pris le français le premier jour que j'arrive en France sur YouTube. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Après, quand j'arrive à Champagne-sur-Seine, j'ai parti en école. Ça fait 2 mois. Après, l'école c'est fini pour moi. J'ai toujours regardé la télé, écouté la radio, parlé avec les gens. Quelqu'un, ils me parlent mieux français. Après, quand je venais en Brésil, j'ai parlé avec un assistant social pour trouver un travail. Mais un jour, elle m'appelle avec ce que je travaille dans le père, à la ferme. J'ai dit oui. Après, j'ai parti là-bas, parler avec le sponsor de la ferme. Elle m'a donné un travail pour 2 semaines. Après, elle regardait moi, elle parle un peu mieux français, ou comme ça. Elle donne encore. Maintenant, elle m'a proposé un contrat, c'est dit. Je vais signer après demain. Un contrat CDI. Ah ouais, un lundi, je pense. D'accord. Ouais. Ça, c'est cool. J'apprends le français sur YouTube plus. Bon, j'ai parlé avec quelqu'un qui plus avec quelqu'un qui parle mieux français. J'ai parlé dans l'école juste 2 mois pas plus. YouTube alors, hein. Oui, YouTube. Voilà. Tu as appris l'anglais, le français sur YouTube. YouTube. Regardez les télé, tout le matin je parle. Je vais aller faire vidéo sur mon aller au travail. Je écoutais la radio. Très bien. Très bien. Tu as vu, tout le monde ne connaissait pas ça. Même moi, tu viens de m'enseigner là. C'est là que c'est important cet échange qu'on a là. Et en plus, tu signes ton CDI là, la semaine prochaine. On va boire le champagne. Félicitations. Hein. We are going to drink champagne. C'est important aussi que tu parles de ton parcours parce que toi aussi tu es enviable. C'est pas tout le monde qui a ton niveau ici. Oh, je m'appelle Elias, je suis soudanais. Quand je suis été au Soudan, je travaille comme agriculteur. Puis je travaille dans une butine potée. Après, je suis arrivé ici en France depuis 3 ans, moi. Quelques mois que je suis ici en France. Depuis que je suis arrivé ici en France, j'étais avec l'association Croix-Rouge, Champagne-sur-Seine. J'étais avec eux là-bas. Je suis là-bas en formation de langue française avec l'association qui s'appelle Rebondir en humour. J'ai fait là-bas 6 mois. J'ai obtenu, ça s'appelle comment, le niveau de ado là-bas, avec chirurgien. Je suis venu ici à Brésil-sur-Seine le 10 octobre 2018. Dans 5 mois, ça fait depuis 1 an que j'habite ici à Brésil. Quand je suis venu ici, je suis formation, qualification pour s'appelle comment, de métier de logistique. Là-bas, j'ai obtenu un s'appelle comment, CACES A 3 et 5. Puis, je suis allé à la Palombouloa. J'ai demandé par rapport à s'appelle comment, permis de conduite. J'ai eu ma cote d'abord. Tu as eu le code? Oui, j'ai eu le code. Maintenant, je conduis ici. Et tu conduis? Oui. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Je te remercie. Et en ce moment, tu travailles? Non, pour. Ça s'appelle comment travailler pour le logement. J'ai demandé avec l'association ici, que j'habite avec. Je suis habité avec vous. J'ai demandé ici. Ça fait 1 an. Je respiré partout, pour le moment, je n'ai pas encore reçu. Pour le travail aussi, j'ai respiré.
dans toutes les boîtes où on traîne ici, 77. Le problème, ça, c'est pour, ça s'appelle comment permis de conduire, parce que ça, c'est... Pour te déplacer. Ouais. Limiter, ça, c'est besoin de circuler comme ça. Et c'est important, donc, j'attends. J'attends pour permis. Pour le moment, je ne sais pas. Parce que je demandais à l'association ici, ça fait un an que j'attends. Pour le moment, je passe encore le son. Bonsoir. Bon, nous avons une nouvelle venue. Alors maintenant, j'attends jusqu'à pour avoir, ça s'appelle comment, le document, pour avoir limité ça. C'est tout ce que j'attends. Pour limité, je déposais tout mon CV partout ici. Tous les bois d'entrée, je déposais. On s'est mis là-bas, mais je, ça c'est le problème parce que j'habite loin. Ici, Béré, jusqu'à Provence, jusqu'à Montreux, il n'y a pas beaucoup de boîtes de ça s'appelle comment, de logistique. De la logistique. De la logistique, oui. Oui. Toi, tu speak loudly, please. Ok, ok. We can hear you. Je m'appelle Yamanteke. Je suis électeur. Ok. J'habite près de Soussaint. J'ai 27 ans. J'ai commencé au fil 2 mois. Je suis menuisier. Pardon, menuisier. Menuisier. Oui. Moi, le français, le lycée, Where did you learn your job? Where did you learn your job? To work with the wood. Yeah. Where did you learn? In Eritrea. Okay. Are you feel able to work in France with your job? No. I'm not in before I'm in Eritrea, I worked carpenter 4 years maximum. Now I want to take formation for music. You like that? Yeah, but now I can't speak French perfectly. Okay, okay. But try to speak anyway. It's not a problem. I tried more time. I ask any companies for I take course. I take a job. I ask, but I am not speak French. Now I want more learn French, or I take some another work. Did you try to learn like your friend with YouTube? Yeah, I listen. More French on YouTube, or I went to my social district. I learn with her. Now I'm good condition. I hope after I speak on short time, I speak French. Je suis érythréen. Parle assez fort. Hein. D'accord. Ouais. Ça, érythréen, ça m'aide d'apprendre à l'école. Objet professionnel, le menuisier. En 2014, j'ai commencé coiffeur jusqu'à 2016. Après, j'ai arrêté à commencer menuisier. Après, aller partir au topi,
Éthiopie un mois. Après, aller partir Soudanie. Soudanie le mois. Après Libye, et Libye à un mois. Après direct Libye à UN. Niger. Niger direct ça. Lio pilot. Ça commence à faire. Oui, direct France. France, 11 par mois. Avion, par avion, d'accord. Oui, okay. 11 mois. De Niamey à, Niamey à Paris. Hein. Oui. D'accord. 11 mois, septembre, arrive ici. Commencé au fil de mois à Pondo. Après fini, commencé formation promis, 4 mois. Tout 6 mois à Pondo, ici France. Ça se vient tous les jours, ça regarde YouTube, portable, film, ça verbe, comme ça. Maintenant, ça tous les jours cherche information promis, ça minimise, comme ça. You want just listen. Allez, vas-y. Non, but don't worry. Hein. We are between men. No problem. No, but you speak English. Why you learn speak? You can try. Just go to French. Don't be afraid. We are between between ourselves. Allez, allez. Jusqu'à comment tu t'appelles? Non, ça va pour moi, ça va. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Comment tu t'appelles? C'est quoi? Qu'est-ce qui va? Ça va quoi? Je comprends pas. Ton nom, your name. Non. Oui, name. Nom Robert. Tu viens d'où? Discute avec tes amis. Oui, tu viens d'où? Speak with your friends. You are shy? Yeah. You are shy? No. Shy. Timid. Est-ce que tu es timide? Oui. Parle français. Tu dois. Tu dois. Il faut que tu. C'est... Prends ton temps. Parler. Prends ton temps. Take it easy. Je m'appelle Robert. Je suis un chien. Ouais. Ouais. C'est tout. Et job. Job. Moi, je m'appelle. Je vais partir militaire. Oui, hein. Ok. Ouais. J'ai arrêté 8 classes. And what do you want to do? Yes, you want which job would you like to do? Je trouve tout travail. Je travaille. Would you like to do something specifically? What would you like to do? About job? Yes. About job? Yes. I want to mechanic for vélo station. Okay. I know a little bit mechanics vélo. I can get that job for me is good. Yeah. So. Je m'appelle Tawab. Je suis Afghanistan. J'ai arrivé en France 2018 octobre. J'habite avant les Ulysses à Park City Hotel. Je vais expérience en bâtiment 4 années. Mm-hmm. Je fais les carrelages, je fais les plaquistes. Mm-hmm. Je fais. J'ai oublié. C'est pas grave. Ouais.
En même temps, je suis livre. Livreur. Ouais. D'accord. Where? C'est Bray. Très... Bray, Paris. Nous, oui. En même temps, il ne faut pas en semaine pas plus arriver. Il vient d'arriver en fait. Ouais. Tu as le permis? Ouais. Mais je débrouille bien. Hein. Oui. D'accord. Et comment tu as fait pour avoir ce travail? Travailler comme pratiquement. Qui t'a aidé? C'est des Pôle emploi. Mm-hmm. Oui, c'est chez Charles. Bah, c'est bien. Il faut t'accrocher. C'est Pôle emploi, il se met chez les messages. Email, c'est envoyer message. D'accord. C'est la dernière semaine. Le thème B1 avec Joseph aussi. D'accord, ça c'est bien. C'est bien.